12 points. Et 3 tirs pour Hackett, 3 paniers, 100%. Schrems, ouais. À tête belle, beau travail, alors que... Oui, un train. Il vient de marquer ça, 51-46. Oh là! Et train en contre-attaque. Ah, ce sont des erreurs à ne pas refaire, ça. Et qui coûte cher. Et voici à nouveau les Allemands avec 7 points d'avance. 53-46, Monclar avec Zaniel. Et Hufnagel va revenir. Schrempf. Ouais. Je peux vous dire que Schrempf, c'est un fait de ménage. Toujours 3 points. Et 5 paniers pour 6 tirs de Daniel Hackett. Il est dans un bon jour. Schrempf pour Welf. Et vu. Et Dubuisson. Non. Ouais, il y a un petit retour en zone. Non, enfin. Schrempf, panier. La roche est honteux. Oui, oui. Il a raison de protester Jean Luant parce que ce ballon était dans le camp allemand. Vraiment, c'est un arbitrage de n'importe quoi. Je ne peux pas dire qu'ils avantagent les Allemands plus que les Français. Corner. Et Jean Luant le laisse sur le terrain. Ah, ça c'est Schrempf. Schrempf. Eh oui, bien joué avec Jaquel. Non, c'est pas possible. Ils sont obligés de tout faire maintenant, les grands. Tirer même aux 3 points. Dire que pour l'instant là on fait n'importe quoi du côté des Français. Tout à fait, n'importe quoi. Schrempf. La défense sur Schrempf, là c'est terminé. Oui. Ouais, il n'y a plus personne sur Schrempf. On laisse jouer les Allemands. C'est dommage que les dernières images de l'équipe de France soient celles-ci.